Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la création d'un album. Alors, le plus jeune de mes fils m'a demandé de lui faire un album un petit peu spécial. Donc, il y a déjà quelques années, donc 2019, et nous sommes en 2023. Donc, il y a 4 ans, il est allé avec sa grande sœur au Hellfest. Et depuis, bah, toutes les photos dormaient sur une clé USB, sur un ordi. Il m'a demandé de lui faire un album pour pouvoir réunir tout ça et le feuilleter et le regarder quand il en a envie. Alors, je commence du coup par faire tirer mes photos. J'ai fait tirer les photos qui me semblaient assez sympas, parce que finalement, il y avait beaucoup de vidéos. Et j'en ai une bonne quarantaine. Donc, je les ai fait tirer en 3 formats. Et puis, bah, surprise, quand j'ai été chercher les photos, il y a 5 formats parce qu'il y en a qui devaient être un petit peu plus paysage que d'autres. Donc, je me retrouve avec 5 formats de photos. Alors, mon album n'étant pas commencé, finalement, j'ai bien fait. J'ai opté par commencer par la commande des photos et puis je vais adapter l'album en fonction de mes photos. Donc, je vais vous montrer comment je m'y prends, pour que vous puissiez vous aussi fabriquer un album à partir de photos. Donc, album du Hellfest. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Hellfest, c'est la fête de l'enfer. C'est sur Clisson, hein. C'est voilà, du hard rock, de la musique rock, du hard rock, un festival qui dure 4 jours. Et voilà, avec AC/DC, Iron Maiden, et je ne sais, et beaucoup d'autres. Là, cette année-là, il y avait ZZ Top, et puis il y avait Kiss, l'année où ils ont été. Donc voilà, beaucoup de bons groupes de rock, de la bière qui coule à flot, du muscadet, puisqu'on est dans le vignoble, puisque cette fête a lieu à Clisson. Alors, c'est la fête de l'enfer. Donc, le symbole, c'est le chiffre 666. Des gens déguisés qui font la fête, qui font plein de choses. Donc, pour décorer l'album, ben, ça ne va pas être évident. Donc, cette année-là, chaque année, il y a des couleurs, des codes couleurs. Donc, cette année-là, les couleurs, c'était noir et orange. Ça va m'aider pour la constitution des papiers de fond de l'album. J'ai retrouvé des papiers Halloween avec du noir, du orange, des araignées, des têtes de mort. Je pense que je vais en mettre par endroit pour décorer un petit peu. Après, bah, pour les découpes, je ne sais pas trop quoi mettre parce que dans mes dailles, mis à part des toiles d'araignées, des araignées, des squelettes, des chauves-souris, je n'ai pas grand-chose. Voilà, peut-être des tampons rock, mais c'est plus des tampons ou des choses rock'n'roll que j'ai et pas hard rock. Peut-être des guitares, des choses comme ça. Donc, mon album n'aura pas forcément beaucoup de déco et beaucoup de découpe. Voilà, il y aura des tampons texte et c'est les photos et le papier qui va essentiellement faire l'album. Donc, je vais faire une structure un peu accordéon parce que je ne vais pas avoir besoin d'avoir beaucoup d'épaisseur entre chacune de mes pages, puisque je ne vais pas avoir énormément de déco, de choses montées sur 3D ou de choses comme ça à mettre. C'est pour un garçon, donc je reste dans la sobriété. C'est un album qui va feuilleter quand même souvent, je pense. Donc, il ne faut pas que je mette trop de tirettes, de choses qui se déplient. Ça, c'est plus pour l'effet waouh, pour les femmes, les petites filles, les choses comme ça. Pour un garçon, je pense moins. Allez, eh ben, on va réaliser ce tuto sur plusieurs séances et je vous explique tout de suite comment je m'y prends. Alors voilà les plus petites photos, vous voyez, elles font, donc celles-ci font 9 par 11,5. J'en ai des un petit peu plus grandes qui font 9 par 15. J'en ai format portrait, format paysage. Voilà, donc ça c'est les plus petites. J'en ai aussi des en longueur comme ceci. Donc là, des tailles un petit peu intermédiaires. Donc j'ai tout sélectionné, déjà j'ai fait des tas avec mes formats paysage, mes formats portrait et les dimensions de mes photos, hein, les petites, les moyennes, les grandes. Donc j'ai pas mal de photos quand même en tout, vous voyez, hein, y a des, donc là j'en ai par exemple plus de formats paysage et puis tout ça c'est des paysages. Voilà, ça c'est le bracelet
avec le passe 3 jours. Hein. À l'époque, il y avait 3 jours. Et voilà, ça, ce sont mes plus grandes. Donc, les plus grandes photos en format portrait et paysage. Donc, les plus grandes, elles font 19,5 sur 11,5. Hein, vous voyez? 19,5 sur 11,5. Alors, j'en ai en portrait, j'en ai en paysage. Ça veut donc dire que mon album devra faire, les pages de mon album devront faire au moins 19,5 de haut pour pouvoir y loger la photo et au moins 19,5 de large pour pouvoir y mettre également celle-ci. Donc ça va être l'information cruciale pour la confection des pages de mon album. Donc je me suis fait un petit pense-bête ici avec voilà, en petite photo, donc des photos portraits 9 par 11,5. Alors j'ai schématisé comme ceci pour que ce soit plus facile peut-être après pour moi pour jeter un coup d'œil. Vous voyez, j'ai trois photos format portrait de 9 par 11,5. J'en ai une de 9 par 15. En format paysage, j'en ai trois de 9 par 11,5. J'en ai quatre de 9 par 15. Et ainsi de suite. Donc, avec toutes ces photos, ça va me permettre de voir comment agencer. Par exemple, j'ai vu que sur une page, je peux très bien mettre une petite photo portrait à côté d'une grande photo en paysage. Donc, je pars sur photo 19,5 par 19,5, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je ne veux pas faire un album carré, je veux faire un album rectangulaire. Donc, je veux partir avec des feuilles cartonnées en format A4, donc mes feuilles vont faire maximum 21 par 29,7, donc mon album au maximum fera 29,7 par 21. Je pense que je vais le faire plus large que haut, puisque j'ai essentiellement des photos en format paysage. Donc, puisque je vais avoir beaucoup de photos format paysage, je pense que mon album devra lui aussi avoir un style paysage. Donc, je veux le faire plus large que haut. Donc, entre 21, 29, 7, il n'y a pas beaucoup de centimètres d'écart. Donc, je vais jouer vraiment sur le minimum, c'est-à-dire que 19,5, c'est le maximum de mes photos. Donc, je vais faire mon album, les pages intérieures, de 19,5 cm de haut. Et je vais faire 28 cm de long. Voilà, quasiment une feuille à 4. 28 pour pouvoir recouper. Donc, 19 par 28. J'aurai 9 cm d'écart entre la largeur et la hauteur. Donc, on verra quand même que c'est un rectangle. Donc, je laisserai pour ma couverture 1 cm de plus sur la largeur, donc on fera 25 pour la couverture et non, pour la sur la hauteur, oui, c'est ça, 1 demi-centimètre en haut, 1 demi-centimètre en bas et sur le côté 1 demi-centimètre, donc 28,5 pour la largeur. Voilà, alors je vais faire mes pages en noir, bien évidemment. C'est le symbole du Hellfest, le symbole de la mort, la fête du diable, le voilà. Donc c'est mes photos d'ailleurs ont beaucoup de teintes noires. Hein. Donc on va partir sur une base noire. J'ai fait faire mes photos avec un liseré blanc tout autour justement pour les faire ressortir et les mettre en valeur. Allez, c'est parti.